Il y a cette volonté d'avoir la vérité et d'avoir la justice. C'était un coup monté pour le foutre au Niouf. Il y a eu une erreur judiciaire. Je souhaite sur ce sujet que nous puissions regarder en face toute notre histoire, sans en occulter les éventuelles zones d'ombre. Est-ce que les jurés de l'époque, s'ils avaient eu en possession ces documents, est-ce qu'ils auraient rendu le même jugement qu'en 1959 ? Il est important que sa mémoire, que cet homme politique polynésien soit enfin, enfin et définitivement réhabilité. Il en est plus que temps. Bouvana, ni haine, ni rancune. Lundi à 19h30 sur Première.